pense qu'on a fait un bon match. Offensivement, on a répondu présent. Ça faisait quelques matchs qu'on avait un peu de mal à creuser les cœurs et tout. Là, on a été sérieux, que ce soit défensivement ou devant. Je pense qu'on a fait le job et c'est cool. On finit la moitié de la première phase du championnat premier, donc c'est super. Voilà, vous avez bien travaillé les trois tiers-temps. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on voulait faire. C'était les consignes données au début du match. Ça fait quelques matchs où on commence bien le match et on a du mal un peu dans le deuxième tiers. Là, on a vraiment joué 60 minutes et ça fait plaisir. Bon, bah, c'était important d'affirmer votre supériorité parce que pour rejouer cette équipe de Courbevoie la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. On a fait un bon match là. Après, on sait que bah, du coup, là-haut, on va être attendu. Donc, il va falloir faire un deuxième match solide et on verra bien. Bon, personnellement, comment tu te sens ? Ouais, je me sens en forme, ça va. On s'entraîne bien. Pour moi, tout va bien, je me sens bien sur la glace. Bon, t'as été bien accueilli par le public, explique-nous ce qui s'est passé là. À la fin, bah, je pense que, je sais pas, Gauthier m'a dit qu'il m'avait réservé une petite surprise, c'est mon anniversaire mercredi. Donc ça fait vraiment plaisir qu'il me l'ait souhaité et c'est vraiment gentil de leur part. T'as toujours une aussi belle communion avec le public qui ne vous lâche pas. Hein. Ah ouais, c'est ça, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ils répondent toujours présents et franchement c'est super pour nous. Quoi. Jouer devant 2000 personnes à domicile et avoir 100 supporters à l'extérieur, ça compte aussi. Je pense que ça nous fait du bien aussi dans les moments difficiles sur la glace. Ils nous aident et ils nous aident, c'est sûr. Pour conclure, est-ce que vous avez un petit programme physique allégé pour récupérer des efforts ou non, vous êtes resté sur le même rythme? Non, on travaille toujours fort. On a 4 entraînements par semaine avec du hors-glace. Pour l'instant, on ne change pas nos habitudes. On s'entraîne comme au début de saison. Il n'y a pas de raison que ça change. On a un match par semaine. On doit être prêt et en forme pour pas qu'on se relâche à l'entraînement.